Bonsoir à tous ou bonne nuit à tous. Merci d'être avec moi pour ce petit live nocturne avec les chatters. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Patmoon devrait vous confirmer vu qu'elle n'est pas trop loin de moi. Mais je comptais au départ faire le live plus tôt, mais nous sommes en train de passer au travers de la fameuse tempête qui devait de ne toucher que le nord-ouest de la France. Et Patmoun vous le confirmera. Nous, on est plutôt dans le haut du sud-ouest et pourtant, on s'est fait toucher aussi. Et je me suis tapé une coupure à 10h, 10h10, à 22h10 ce soir. Alors que j'avais prévu de faire mon live pour 10h30, hein, en deuxième partie de soirée. Malheureusement, le temps, le climat, la météo plutôt, en a été tout à fait pas d'accord. Et donc, c'est montré en mode rébellion, nous a foutu dans le noir. Une coupure qui s'est enchaînée d'un rallumage, d'une recoupure immédiate, puis une remise en route, et puis une recoupure à nouveau, qui a cramé le machin. Ça nous a foutu dans le noir. Et quand le jus est revenu à 11h30, malheureusement, j'ai découvert que la télé de mes filles avait cramé. Purée, la télé dont elles servent pour regarder leurs DVD, parce qu'il n'y a pas de télé chez moi, pas de boîte à propagande. On n'a pas ça par chez moi. Et donc voilà, comme vous le dit, vous le confirme Patmoon, vu qu'elle est vraiment pas loin de chez moi, elle a à peine une cinquantaine de bornes, 50, 60 bornes, elle peut vous le confirmer. Yaorana mon René, re-berce alliance. Je pense à saluer bien sûr tous ceux qui seront avec nous, même au Canada, en passant par le Facebook, vu que je multistream sur le Facebook, sur le Odyssée, le VK, le YouTube et le D-Live. Salut Artax, bonjour à toi, chez toi ça se lève le jour bien sûr. T'as vu, il est bien le bouquin que j'ai dans les mains, hein, Artax, il devrait te plaire, toi, celui-là. Poutine, maître du jeu, par Jack Bow. Ancien colonel des services de l'intelligence suisse et ancien intervenant à l'OTAN ou l'ONU, je sais plus, hein, je suis rempli de doutes, je crois que c'est l'OTAN. Bonsoir Fernando, bonsoir Mom Chris. Salut Alex, la Thaïlande est parmi nous. Oui, il est 9h35 chez toi, oui, c'est le matin. Hein. C'est bien le matin, on te dit bien bonjour, Artax. Tout à fait, hein. Chez toi, il fait jour. T'es en Russie, t'es en Ukraine, t'es en Crimée, t'es où toi? En ce moment, avec ces cons d'Ukrainiens qui tirent sur la Crimée, sur Sébastopol, j'espère pour toi que t'es à l'abri en Russie. Bien qu'à l'abri, dernièrement, nous avons pu voir à l'international que même en Russie, vous n'étiez pas vraiment tous à l'abri. Bonsoir Mazaer, bonsoir à toi, j'espère que tu vas bien, mon ami. Il est 6h35 chez Alex et il attaque sa journée. C'est ça qui est bien avec Internet. chez moi, il est minuit 38 et. Bah, chez d'autres abonnés, il est 9h35, chez d'autres, il est 6h35, c'est le temps. Tu es à Lacoustque, chez moi, avec ma femme et notre nouveau-né. Ah, ça y est, c'est vrai! C'est vrai que tu as ton nouveau-né qui devait arriver. Ah bah oui, c'est normal que tu sois près de madame. À toutes mes félicitations, Artax, à toi, à ta femme, à tous les deux, toutes mes félicitations, et j'ose le dire, toutes nos félicitations au nom de la communauté. J'espère que ton bébé est en excellente santé, que tout va très bien et tous nos voeux de bonheur et de bonne santé pour vous et ta fille et votre nouveau-né de fait. Tu es doublement papa maintenant. C'est bien, tu avances. Bravo, bravo à toi. C'est bien de l'OTAN. Merci, Berce Alliance, de confirmer. Il me semblait bien que c'était l'OTAN. L'ONU, ça me paraît, ça pue à mes oreilles. Bonsoir, Valou. Salut la Bretagne. Ça fait un mois qu'il est né. Merci. Oh ouais, mais même un mois après, on peut souhaiter quand même les félicitations. T'as vu, je suis pas le seul. Dans le chat aussi, les gens vont te féliciter. Je pense, chacun à leur tour, chacun et chacune. Voilà, t'as vu, ils vont tous, si, tu vois, ils vont tous ceux qui sont là, qui écrivent, ils vont te féliciter, vous féliciter, toi et madame. C'est un nouveau-né, c'est toujours magnifique. C'est comme ça qu'on lutte contre la baisse démographique
ou la pallier à une défaillance démographique. D'ailleurs, il me semble, c'est que je ne sais plus quel ministre en parlait de la Russie, mais il semble que vous avez, oui, effectivement, un manque de population. Vous en avez besoin de people, quoi. Parce que chez vous, le plein emploi, il y en a, quoi. Pour ceux qui veulent bosser en Russie, il y a du boulot, quoi. Voilà, ça, je m'en doutais. Tout le monde te félicite dans le chat. C'est toujours plaisant de voir ça. Toujours plaisant de voir des gens qui sont là. Et qui font des félicitations pour des nouveau-nés. Voilà. Merci à vous tous de féliciter Artax et sa femme. Des bonnes gens qui font ce qu'il faut pour trouver leur bonheur. Berce Alliance, effectivement, Artax est en Russie. C'est un Français expatrié en Russie. Ce que l'on appelle un Français de l'étranger. Voilà, merci de confirmer, Artax, qu'effectivement, chez vous, il n'y a pas de chômeurs. Les gens qui veulent bosser, ça taffe, ça taffe, ça taffe. Bonsoir Patrick Cam, bienvenue sur la chaîne et merci à toi de contribuer aux félicitations pour Artax. L'info est tellement dense que les cerveaux se perdent. Ouais. Ouais, mais on en cause tranquillement, de nuit comme ça, tranquillement. On est une grosse vingtaine de personnes. Les gens viennent, repartent. On était presque une trentaine tout à l'heure. Ça va, ça monte, ça descend. C'est la nuit, c'est normal. Mais j'étais tellement énervé par la coupure de jus et que ça m'est décalé du projet que je voulais vous faire le live en deuxième partie de soirée que j'ai dit je fais le live quand même. J'arrive pas à dormir. Même si j'en ai prévu un autre pour demain matin, une matinale pour demain matin, où je reviendrai plus en détail sur les suites de l'affaire, hein, ensuite du premier live. Hein. Là, ce soir, on parle d'autre chose, on parle de tout et de rien. On parle de l'homme qui valait 1 000 milliards de dollars, hein, ou d'euros. Hein. Cet emplâtré d'enfoiré de Macron, là, qui nous coûte les yeux de la tête. Hein. Notre Mozart de la finance, cet emplâtré, là. Bon, salut Kevin. Qui nous coûte les yeux de la tête, qui nous met dans une mer de noir, ayant surendetté nos enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants, et arrière-arrière-arrière-arrière-petits-enfants sur au moins 10 générations, cet enfoiré, là, de la génération du après moi le déluge, moi d'abord, les autres, on s'en fout. Il y a une caisse de chômage, mais il y a toute la population au travail, tellement il manque de main-d'œuvre. Ah ouais, c'est ce que j'ai cru comprendre. Il y a vraiment du travail en Russie et pas qu'un peu et dans plusieurs domaines, pas que dans la main-d'œuvre, là, parce que j'ai compris, dans les ouvriers d'usine aussi, il y a plein d'usines qui se créent, plein de branches qui sont en train d'être développées en Russie, qui étaient avant à l'international, mais vu qu'ils se sont fait couper, ben, Poutine, pas con, il a dit, OK, on va se démerder tout seul. Et ça marche. Et ça marche. Et en plus, les pays alliés des BRICS passent des commandes, donc ça motive d'autant plus l'emploi en Russie. Et tant mieux pour la Russie. Hein, ça fait un gros fuck à ces enfoirés de l'Occident qui ne respectent personne d'autre qu'eux-mêmes, nous mettant dans la merde nous-mêmes en Europe, nous ridiculisant. Ouh, les informations commencent à tomber, Alix. Bon, les soldats français sont arrivés en Ukraine et les bombardements russes en ont tué la moitié au moins. Ah, merde. Merde, 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 merde. On a beau ne pas être content de ce que fait Macron, on ne peut pas s'empêcher d'être fraternel envers nos soldats français qui sont utilisés contre leur gré pour servir les intérêts de la France normalement, mais instrumentalisés par les pourritures euro-atlantistes que nous avons au pouvoir. Nos young global leaders traîtres à notre pays et aux réels intérêts de notre pays, ne servant que des intérêts d'une caste qui n'a rien à voir avec les intérêts de la France et ceux du peuple français, bien sûr. Ah, je te jure. Bonsoir, Umbrella. J'espère que tu vas bien, très cher. Il a bien raison. Peut-être qu'un jour, ici, la zizanie continue en France. J'irai habiter en Russie. J'ai bien mon arrière-grand-père italien qui a été sur le front russe. Et oui, c'est ça. C'est important, ça. Moi, je vous dis, moi, je fais pas partie de. Il y a plein de gens qui déraillent en ce moment-là, qui sont en train d'insulter les soldats français. Moi, je vous le dis directement. Je n'insulte pas les soldats français. On peut pas demander à un soldat français de démissionner.
Je vais vous expliquer pourquoi. Un soldat français, quand il signe un contrat, c'est pour 5 ans minimum, il s'engage. Je crois que c'est 5 ans, surtout si avec vecteur de mission extérieure, d'être envoyé sur des théâtres d'opération à l'extérieur du territoire français. Et donc, il y a un investissement de l'armée dans sa formation, etc. Et tout, il y a un gros investissement. Et s'il s'avère que il se retrouve à être envoyé en mission extérieure, mais qu'il n'est pas d'accord, s'il devait demander à poser sa démission, il devrait, si je me trompe pas, il se devrait de rembourser. Alors, je peux me tromper, mais il me semble que c'est un truc comme ça, que l'armée française n'accepte pas les démissions comme ça en 5-5, comme dans un métier lambda civil où tu poses ta démission et tu peux te barrer comme ça. C'est pas aussi simple. Moi, je suis dans la compassion pour eux. Là, c'est vraiment, c'est pas cool, quoi. Ils sont obligés d'obéir, ils n'ont pas le choix. Il y en a plein qui s'engagent. En plus, faut savoir que la moyenne d'âge de nos volontaires soldats français, c'est 19-20 ans, hein, à l'heure actuelle. Comprenez bien. C'est des jeunes qui sont pas finis, qui ont un espoir dans le futur, qui croient qu'ils font ça pour vraiment défendre la France. Et je sais de quoi je parle, hein. Quand j'étais jeune, j'ai été militaire quand j'avais 18-19 ans, et je me suis retrouvé en ex-Yougoslavie à l'époque, en Bosnie-Herzégovine, en ayant la même utopie qu'eux, hein. Bon, j'en ai 48 maintenant, donc ça fait 30 ans cette affaire. Mais je comprends tout à fait la situation dans laquelle ils sont. J'ai été dans la même il y a 30 ans de ça. À croire que je défendais les intérêts de la France, que j'étais casque bleu pour protéger des vies, etc. Et tout est toujours beaucoup plus compliqué qu'on ne le croit. Toujours. Rien n'est aussi simple qu'on pourrait le croire quand on entend des gens parler sur Internet, discourir, partager leur vision complotiste, leurs solutions toutes faites, il n'y a qu'un faucon, etc. Ah bordel, les gens ne se rendent pas compte que c'est pas aussi simple que ça. C'est loin d'être aussi simple que ça. Puis après, il y a toute leur famille qui, dans le contexte actuel, je vois effectivement, là, il n'y a pas tout le monde qui dit et leur famille, tout à fait, je suis d'accord. Salut Luc sur Facebook. Oui, j'ai le même âge que toi, Luc, mais tu as plus de poils blancs sur la tête et à la barbe que moi. Lol, là, je te rattraperai bientôt. Il me semble, oui, que c'est Odessa qui est le point de fixation à l'heure actuelle. Et ce qui montre que les Russes n'ont rien à craindre, puisqu'ils n'ont qu'à tirer de loin. Ouais, je fais plus jeune, ouais, j'ai l'air plus jeune, Luc, tout à fait. Mais bon, toujours est-il que donc, cette affaire-là, ça met beaucoup de familles dans le désarroi, qui sont dans l'inquiétude de ce qui va arriver à leurs descendants. Surtout que beaucoup d'entre eux, qui sont à se tenir informés, ont vu l'interview du Piotr Tolstoï, numéro 2 de la Douma, le Parlement russe, sur BFM TV. Et ils ont entendu ce qu'il a dit de ce que les Russes réserveraient aux soldats français qui arriveront en Ukraine. Aïe! 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 Tout à fait, Isabelle Obscure, pertinent ton commentaire. Bonsoir à toi qui nous dit certains s'engagent pour sortir du chômage. Aussi, alors c'est pas la majorité, hein. C'est une petite minorité, mais on doit aussi les considérer parce qu'eux aussi se retrouvent sur le terrain comme tous les autres, à égalité, frères d'armes. Tout le monde à égalité, ont le même pied d'égalité, tous doivent être considérés pareils. Mon gendre est dans l'armée à côté de chez toi, Alix. Ah, il doit être à la Braconne, peut-être bien. Parce qu'à côté de chez moi, la base la plus proche, c'est la Braconne. Le ministère russe a dit qu'ils allaient envoyer les militaires français à Orly avec le drapeau tricolore. Ouais, sur les tombes, ouais, sur les cercueils, ouais, j'ai compris le message, oui, le sous-message, effectivement, que le ministère a essayé de transmettre au passage. Voilà, c'est bien ça, c'est la Braconne. Ouais, je connais bien, c'est une base entourée d'une très belle forêt, d'ailleurs, assez magnifique. Si on connaît pas, si on sait pas qu'il y a une base derrière toute cette immense forêt, on voit juste la forêt en y passant. La majorité sont carriéristes et la minorité intègre redoute d'agir. Oui, tout à fait. Mais ils sont obligés d'obéir, c'est ça que le truc. Salut Bruno Vazar, Adam Warlock. Merci à toi de souhaiter une bonne début de nuit à tous. Oui, les femmes et les enfants, les familles, c'est ça, voilà, les familles vont être en mode méga triste parce que y a aucune, les Français ont aucune chance, même avec leur petit Charles Leclerc. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que
suite aux annonces de Macron, effectivement, il y a eu deux vagues de 1000 hommes qui ont été envoyés en Roumanie et à vecteur de se déplacer dans la Moldavie, aux limites de la Transnistrie, et d'être dépêchés aux alentours ou sur Odessa. Effectivement, et ça vous est confirmé par Artax. Et c'est l'enfer, c'est l'enfer, c'est l'enfer. C'est dégueulasse de leur faire ça, quoi, ces pauvres soldats qui sont envoyés dans un hachoir à viande, quoi. C'est le truc, c'est la même chose que quand c'était Wagner qui s'est retrouvé face à l'armée ukrainienne, quoi. C'est le même truc. Bonsoir David, salut, allez, David, j'espère que tu vas bien. C'est l'enfer. Donc je vous dis, moi je suis pas comme les demeurés commentateurs d'Internet et je suis pas dans la haine de nos soldats. Ce sont des futures victimes. Et d'après ce que nous dit Artax, il y a déjà des victimes parmi eux. Moi, je bordel de merde. Bonne nuit, Valou. Merci d'être passé faire un petit coucou. C'est l'enfer, c'est l'enfer, c'est l'enfer. Luc nous dit, ça serait terrible que Macron envoie à la boucherie des jeunes Français, mais je connais pas de généraux qui accepteraient cela. Ils vont démissionner avant, je pense, du moins j'espère. Alors non, justement, Luc, tu es plein d'espoir. On passe ton commentaire visible à tous. Tu es plein d'espoir. Malheureusement, Macron, pendant sa première mandature, a corrompu nos grands généraux français, tous les débiles de plateau télé, hein, par exemple, entre autres, tous ces gamelins-là, entre autres, en augmentant leur salaire pour être sûr qu'ils ferment leur gueule. Et c'est pas pour de faux. Artax nous dit 850 Français morts lors du bombardement du bâtiment du centre de commandement militaire de l'OTAN à Odessa. Putain de merde. Putain de merde. Vous imaginez déjà sur les 2000, il y en a déjà 850 de canés, nous dit Artax. Putain de merde. Excusez-moi, je suis des grossièretés là. Vous êtes un peu habitué, mais là, c'est je préférerais m'en passer. Mais là, j'insulte personne, là. Là, c'est le mauvais sort. C'est Macron à la rigueur que j'insulte, là. Ça me l'aimait, les abeilles. Oui, effectivement, là, vous avez l'info de première main avec Artax, parce que les Russes, eux, vont pas cacher l'information, alors que les Occidentaux vont tout faire, nos médias occidentaux, pour retarder le fait de nous annoncer les morts français. Hein. Vous pouvez en être sûr. Effectivement, Mazahir, ouais, tout à fait, c'est les enfants des prolos hein, qui sont envoyés à la guerre, hein, les militaires, c'est pas des enfants de nos politiques, de nos députés, etc., hein, tous ces va-t-en-guerre. Hein. Tant de sang qui coule, les enfants des politiciens sont par contre bien à l'abri. Oui, tout à fait, Versaillance, horrible, tout ça. C'est abject, je vous dis, c'est abject, toutes ces familles. Rappelez-vous déjà, lors de l'interview de Piotr Tolstoï, il avait dit qu'il y avait 367 militaires français sous bannière du mercenariat, prétendant de fait qu'il n'y avait pas de Français sur place comme ça, de l'armée directement, mais qu'ils en avaient déjà tué 147. Eh ben regardez, là, un seul bombardement, une journée, l'affaire a été entendue, ils ont multiplié le chiffre par 6. Putain de merde. Purée, c'est pas fini, il l'a dit, Piotr Tolstoï, on les renverra tous, tout Français qui mettra le pied en Ukraine, il passera l'arme à gauche. Il avait été extrêmement clair, quoi. Et Macron et l'autre enfoiré, là, d'autres homosexuels de merde de ces journées, là, avec son allocution de merde, là, qui fait le beau, là, ce trimard, là. Eh ben, ils ont fait les malins. Ouais, on te croit pas, t'osera pas. T'es fou, quoi, avec ce qui s'est passé au Circle City Hall, là. Vous croyez qu'ils vont pas oser, les Russes? Ils vont pas vous mettre au pas, là, l'armée française? Mais putain de con. Ça peut pas être les soldats qui désobéissent. Comme le pontré en espoir, Luc, tout à l'heure sur Facebook, là, notre abonné canadien sur Facebook. Il faudrait que ce soit les généraux qui disent non. Mais je vous dis, ils ont été corrompus par Macron déjà pendant sa première mandature en 2018-2019. Ils ont été corrompus. Exactement, Umbrella, la faute à Macronus bite au cul. C'est sa faute à lui, point barre, exactement. C'est enfoiré, quoi.
Et lui, il en a rien à foutre. Quand il te disait, je vais pas envoyer des soldats, moi, l'armée, il disait, je vais envoyer les mecs. Voilà, pour lui, c'est, il envoie des mecs se faire tuer, quoi. Pardon. Bonsoir, Guéva. C'est abject, je vous dis, c'est abject. Et moi, je vous dis, je rentre pas dans le game de ces commentateurs du net bien pensants qui ont un avis sur tout à donner et qui sont remplis de yaka faucon et qui crachent sur nos soldats. Je trouve ça abject. On ne peut pas demander à un soldat de désobéir parce que en temps de guerre, un soldat qui désobéit, il y a peut-être plus le peloton d'exécution, mais c'est la prison, c'est sûr, quoi, à minima. Ça, c'est mise aux arrêts direct, quoi, de rigueur, hein. Voilà ce que dit Artak, c'est ce qu'avait dit Piotr Tolstoï. On s'en fout de Macron et de ça, on s'en fout de sa ligne rouge. On va tuer tous les Français qui poseront le pied en Ukraine. Ce sera une priorité nationale. Voilà, Artak nous rappelle ce qu'avait dit Piotr Tolstoï, le numéro 2 de la Douma, le Parlement russe, au micro du journaliste de BFM TV. Voilà, c'est piqûre de rappel. Et notre gouvernement a pris ça pour une bravade. Une mauvaise idée et la preuve, d'après ce que nous dit Artax, selon les médias russes, donc sur place, déjà 850 Français morts à Odessa, quoi. C'est grave, c'est terrible ce qui est arrivé aux militaires français qui reposent en paix, condoléances attristées aux familles, voilà. Ah, un deuxième abonné québécois qui est sur Facebook. Salut Éric Pigeon, j'espère que tu vas bien Éric, ça faisait longtemps que je n'avais pas eu de tes news, j'espère que tu te portes bien. Ainsi que madame, bien sûr. De Villiers avait définitionné. Ouais, mais De Villiers, c'est parce que c'est pas De Villiers, le général, c'est pas son frère, c'est pas le politique, c'est un vendu arriviste, ce général-là, Patmoun. Suite au fait qu'il a démissionné, il est parti. Il a fait quoi? Rappelez-vous, il est allé vendre ses connaissances et ses services aux Américains. Piotr Tolstoï nous dit Artax est l'équivalent du ministre de l'Intérieur français. Voilà. Bah, entre Piotr Tolstoï et Gérald Darmanin, il n'y a pas photo. Hein. Hein? Piotr Tolstoï, il joue au basket avec la tête de Darmanin, quoi. Lol. Et pas vraiment lol à la fois. Il ne rigole pas du tout, c'est russe, c'est dit. Soi-disant une armée affaiblie. Ouais, je sais, Artax. Pas Artax, juste Bruno, je sais. Mais le problème, et j'ai entendu un expert politologue, géopolitologue en parler récemment, c'est que malheureusement, nos politiques français croient dans la propagande qu'ils font transparaître dans les médias occidentaux pour baratiner le peuple. Pour les endoctriner et leur prodiguer leur propagande de guerre, ils finissent par eux-mêmes croire à leurs mensonges. Donc, ils ont fini par croire que Poutine souffrait de 12 Alzheimer, de 14 Parkinson, qu'il avait survécu à 15 AVC et qu'il avait 500 sosies. Sauf que c'est pas le cas du tout, quoi. Le mec, il est tout seul dans ses baskets, il ne souffre d'aucune maladie, il pète le feu à 71 ans, il est en meilleure santé que Macron, alors qu'il a même pas 47 ans, quoi. Merci, Bersalliance, de confirmer que le général De Villiers, voilà, c'était chez Boston Consulting qu'il était allé vendre ses compétences. Merci. J'aime bien quand je dis quelque chose et que j'ai la communauté qui confirme, on s'entraide de tous. Bonsoir, Anna, j'espère que tu vas bien. Il s'est passé quoi à Odessa avec le militaire français? Ben, Artax va te répondre, Anna. Mais si tu remontes dans le chat, tu devrais trouver les commentaires d'Artax. Artax vit en Russie, pour information, pour ceux qui ne sauraient pas. C'est un de mes abonnés qui vit en Russie. J'ai des abonnés partout. On a aussi un abonné qui est en Thaïlande, parmi nous cette nuit, ce matin pour lui, parce qu'il va aller travailler les 6h30 pour lui du matin. Pour Artax, il est 9h30 du matin. Il vit pas en Russie occidentale, grosso modo. Effectivement, mon Chris, voilà, quand un militaire russe parle, un politique russe parle, il fait. C'est pas comme les nôtres qui blablatent et qui font l'inverse de ce qu'ils disent. Ben ça, on pourrait comprendre, je vois ce que tu veux dire, ben ça, quand tu dis perso, je n'en veux pas aux Russes, mais à nos
traître au gouvernement. Je vois ce que tu veux dire. Mais le principe, en fait, c'est que même si on leur en voulait, on serait obligé, parce qu'ils ont tué des Français, hein, mais ils ont fait que leur boulot de militaire, en fait. C'est des militaires face à des militaires. Et dans une guerre, sur un théâtre de guerre, ben, il y a des morts des deux côtés. Et c'est ce que les Ukrainiens et les Russes, Ukrainiens russophones et les Russes vivent depuis 2 ans déjà, plus de 2 ans maintenant. Maintenant, il y a des Français aussi qui sont de manière déclarée sur place. Macron est un fou. 27 degrés chez toi, Alex, purée. Fait chaud en Thaïlande. Et ouais, c'est vrai que t'es dans le restaurant, toi, t'es dans la cuisine déjà en train de faire la mise en place. C'est pas normal de ne pas avoir les vraies infos chez nous. Ben si, si, ah non, non, là par contre, Patmoun, si, si, c'est tout à fait normal. En temps de guerre, en propagande de guerre, c'est normal que les médias cachent une grande partie de la vérité le plus longtemps possible. Et en plus, l'Occident a les médias les plus menteurs du monde, donc c'est doublement une raison valable, si l'on pourrait dire, en temps de guerre, d'avoir des médias qui font une rétention de l'information le plus longtemps possible. C'est logique. Le fait que je vois rien dans le chat fait partie du fait que je dois m'abonner car je vois juste mes commentaires. Bah, c'est possible, Luc. T'attends, pourquoi t'es pas abonné à ma chaîne? C'est bizarre. Mais c'est gratuit de s'abonner sur Facebook. Hein. Si tu veux lire les autres commentaires, effectivement, que je lis, Luc, il faut que tu passes par YouTube. C'est parce que là, en fait, je suis sur StreamYard et ça condense tous les commentaires qui sont postés sur tous les réseaux sociaux où je multistream. Si tu restes que sur Facebook, tu verras que ceux les commentaires de ceux qui commentent sur Facebook, donc de toi et d'Eric, par exemple. Et si tu veux voir tous les autres commentaires que je lis, j'ai mis le lien YouTube sur ma page Facebook, Luc. Tu cliques dessus et tu arrives avec et tu rejoins les gens. Tu arrives. Et là, tu n'as même pas besoin de t'abonner, tu verras les commentaires. Et si tu veux continuer à commenter par Facebook, il n'y a pas de problème. Il suffit juste que tu aies un YouTube et que tu cliques sur le lien YouTube. Ok, ça marche, Luc. Bah, on a un Québécois qui va nous rejoindre de plus sur YouTube. Merci à Luc, j'ai eu la réponse. De rien, de rien, de rien, de rien. Voilà, Artax vous a remis l'information pour Anna. Et voilà. Mais oui, voilà, c'est pour ça que je t'ai répondu, Bruno. Oui, parce que faut comprendre ça. Ça, c'est de la géostratégie. Quand les gens, je leur parle de géostratégie, ils comprennent pas. Ben, cet épisode-là que nous vivons en France. Ah, c'est gentil, Luc, c'est gentil. On verra ça de comment tu sens de le faire. En passant par YouTube, en haut du chat, il y a mon lien PayPal pour ceux qui veulent passer par PayPal pour me faire un don, pour me soutenir, m'aider à payer mes factures. C'est cool. Puis en plus, pour faire une micro-parenthèse, les coupures d'électricité dont je vous ai parlé tout à l'heure, là, c'est dû apparemment à des surtensions qu'on fait rendre l'âme momentanément à des composants du transfo dont mon quartier dépendait, et ça a fait griller la télé de mes filles. Putain de merde, pardon, excusez-moi, je me suis lâché. J'ai bien peur que par cette attaque, on aura un début d'escalade, l'OTAN n'attend que ça. L'Ukraine n'est pas dans l'OTAN. L'OTAN n'a pas le droit d'attaquer Mazaer. Je comprends ce que tu nous dis là, Mazaer. Je comprends toute la pertinence derrière l'idée. Mais normalement, l'OTAN n'a pas le droit de s'en mêler vu que c'est pas la France qui est attaquée. C'est des soldats qui sont de manière illégale en Ukraine. Alors certains nous diront oui, mais c'est comme les Russes étaient de manière légale en Syrie quand Bachar al-Assad lui a demandé de venir. Là, on nous dira c'est Zelensky qui a demandé à la France de venir. Bon, à la rigueur, à la rigueur. Mais pour que l'OTAN attaque, c'est pas la France qui est attaquée, c'est l'Ukraine. Et l'Ukraine n'est pas dans l'OTAN. Donc l'OTAN n'a aucune raison légale d'attaquer.
Et puis, bon, Artax vous dit là, l'OTAN a eu 87 bases militaires détruites en Ukraine depuis le 24 février 2022. Donc l'OTAN ne bougera pas. Il y a de grandes chances. C'est pour ça d'ailleurs que je vous rappelle que quand Macron avait dit qu'il allait envoyer des soldats sur place, qu'est-ce que le président du NATO, de l'OTAN a dit, Stoltenberg, on n'ira pas. Qu'est-ce que Biden a dit? On n'ira pas. Bon, ben c'est QFD. Qu'est-ce que Scholz a dit? On n'ira pas. Bon, ben voilà quoi. C'est pour ça que Macron s'est retrouvé tout seul quoi. Hadès, l'officiel nous met OK, je suis là avec vous. Ouais, on s'en bat les couilles. Tu t'es cru chez toi ou quoi? On te connaît pas, on s'est pas quitté, c'est sur ma chaîne. Donc t'arrives déjà et tu dis bonsoir, messieurs, dames, bonjour à la rigueur, si t'es dans un pays où il fait encore jour, où il fait déjà jour. T'es pas chez toi, bonhomme, ici. Faut pas t'oublier comme ça. Ah, ok, c'est Luc. Ah, sur YouTube, tu t'appelles Hadès l'officiel. D'accord. Ah, tu m'étonnes que j'ai mal pris le truc. C'est quoi ce pseudo? Lol. Ah, pourtant, j'aurais dû reconnaître l'avatar, c'est toi sur la photo. Merde. Bah, en tout petit sur mon smartphone, là, j'avais pas vu, j'aurais dû me rapprocher avant de commenter. Non, non, le banne pas, le pauvre, le banné pas, le banné pas. Le pauvre, c'est un abonné Facebook. Me le bannissez pas, le pauvre. En plus, il me dit sur Facebook, je vais te soutenir, je vais t'envoyer des sous directement, et vous lui mettez une claque à peine arrivé, le pauvre. Ah non, c'est que j'aurais dû me rapprocher de l'écran pour voir que son emoji, c'est lui sur la photo. C'est un abonné québécois que j'ai depuis longtemps. On se suit déjà depuis les histoires qui se passaient au Québec, entre des histoires d'églises vendues pour y foutre des trucs laïcars, qui accueillent des migrants, etc. Ce qu'on vit en France, ils le vivent aussi au Québec, au Canada. Ça date déjà, ça fait au moins 3-4 ans déjà que je connais Hadès l'officiel. Donc, je pensais pas que c'était ton pseudo sur YouTube. Merde. Lol. À Odessa, c'était une base militaire et un bâtiment du centre de commandement militaire de l'OTAN. Ah, d'accord, ok. Bah, ça a été sans coup férir, comme dirait l'autre. Ils leur ont même pas laissé le temps de se déployer, quoi. Ben, je pense, oui, c'est vrai que tu as raison, David, effectivement, qui nous dit, OK, de concentrer autant de soldats dans un bâtiment, c'est stupide, je trouve, effectivement, je suis d'accord avec toi. Mais ils avaient peut-être pas prévu que ben, ils se feraient bombarder, ce bâtiment de l'OTAN, quoi. Il y a un seul Bruno parmi nous, Hadès officiel, c'est Luc, son prénom, René, c'est Luc. Et l'autre abonné québécois qui est encore sur Facebook, c'est Eric. C'est bon, calmons-nous, calmons-nous. C'était un gros bâtiment, enfin une base, le bâtiment qui a explosé, il n'y a pas les 2000 dedans, mais la moitié. Bah, c'était déjà pas mal, quoi, bordel. Tu réfléchis quand même, quoi. T'imagines à peine arrivé sur place, 850 des 2000 qu'on claquait, quoi. Ça me fait mal pour eux, ça me fait mal pour leur famille, ça me fait mal pour la France, ça me fait mal pour l'image de la France. Ça me fait mal ce que Macron fait aux Français, aux soldats français. Ça me fait mal, ça me fait mal, ça me fait mal. Purée, ça me fait mal pour mes compatriotes. Non, ils t'ont pas ban. Non, non, Luc, j'ai vérifié, tu n'es pas banni. Non, non, non. Non, non, non. Je vois là, tu n'es pas banni. Ils ont juste effacé tes messages. T'inquiète, tu peux revenir et commenter, Luc, il n'y a pas de souci sur YouTube. Non, non, je viens de vérifier. Justement, j'ai eu peur quand j'ai vu tes messages disparaître. Merde, ils me l'ont banni. Merde. Relance la page et réessaye. Ils t'ont peut-être mis une censure momentanée, un truc comme ça. Mais je viens de vérifier, tu n'es pas banni. Parce que moi-même, ça, quand tu es banni, ça me propose pas le fait que je peux te bannir, que je peux te masquer de la chaîne. Et je peux pas, je peux le faire. Donc ça veut dire que tu ne l'es pas.
Ça serait bien que celui qui lui a mis une claque là, dans des modérateurs là, me dise si vous lui avez mis un temps de silence accompagné au retrait des messages ou si vous avez juste retiré ces messages. Lol, René. Trop de téléphones portables en activité concentrés dans un même endroit, certainement. Hein? C'est pas bête, ça. Ça, c'est pas bête. C'est un commentaire pertinent, ça. Bravo, Bersalliance. Pas bête du tout, ça. On comprend mieux pourquoi le Minus a renforcé sa sécurité et rapproché. Ouais, tu me dis, tu m'étonnes. Qui valait 1000 milliards. Ah ouais, bah c'est Macron, hein, c'est le même débile. Hein. Et il vaut pas que 1000, il ne coûte pas, oui, qui valait l'endettement de 1000 milliards, si tu préfères. C'est l'expression par rapport à la métaphore du film L'homme qui valait 3 milliards. Mais c'est surtout qui valait l'endettement de 1000 milliards et qui valait la vie de centaines de soldats français, de centaines et de centaines de soldats français. Enfoiré, mais quel enculé ce Macron de bordel de merde. Ah, les Français, vous l'avez élu. Eh ben voilà, merci là. Merci là. Là, il y a minimum 850 familles françaises qui remercient les Français qui ont élu Macron en 2022. Bravo à eux. Bande de salopes. Mais bande de salopes qui ont voté pour ce sac à merde. Voilà. Il y a 8, et minimum, pour l'instant, 850 familles françaises qui remercient tous ceux qui ont voté pour Macron. Bravo. Bravo à tous ces connards qui ont voté Macron et qui n'ont bien sûr n'auront jamais les couilles d'avouer qu'ils ont voté Macron. Ah, évidemment. Surtout après un moment pareil. Et puis c'est pas fini. Il l'a dit, hein, ils l'ont dit les Russes. Hein. Tout soldat français. 2000 moins 850, il en reste encore 1150. Hein. S'ils font pas un demi-tour Fissa pour se barrer Fissa, leur avenir ne semble pas vraiment très bon. Hein. Ils n'auront pas attendu 6 mois pour les raser. Hein. Ils arrivent le jour même, ils se font bombarder. Si les Français, mes politiques sont des grandes gueules sont des petites bites à grandes gueules, les Russes apparemment, petites ou grandes bites, on s'en fout. Eux, c'est pas des grandes gueules. Ils disent ce qu'ils font et ils font ce qu'ils disent. Comment ils vont arriver à nous tourner ça, nos médias? Oui, j'avais compris que c'était toi, Chris, mais tu lui as juste enlevé le message ou tu lui as mis un temps de modération en même temps, de silence accompagné. Parce que le temps de silence, on peut pas l'enlever, ça. J'espère que tu l'as pas collé à 24 heures, le pauvre. Aïe, bordel. J'y crois pas, ça ressemble aux informations du Hamas. Chris nous dit, Artax nous dit, ce sont des informations russes et ukrainiennes, donc fiables. Ok. Ah ben, si les Ukrainiens confirment ce que les Russes disent, ça peut pas être un mensonge, là. L'Occident paraît très con, là. Je pète, ça sent la rose. Lol, René, t'es un trou duc. Enfoiré. Bonsoir à tous ceux qui arrivent, merci à tous ceux qui likent, bien sûr, merci à tous ceux qui partagent, même tardivement la nuit. Ça aide à phagocyter l'algorithme YouTube et à envoyer des notifs à mes abonnés qui pourraient être encore réveillés et qui n'auraient pas forcément reçu la notif du live. C'est moi qui vais te mettre une modération, le prouteur là, tahitien là. Sale gosse de René. Il est auto-réélu, l'arnaque si visible de toute manière. Cela fait bien longtemps qu'on choisit plus. Bonsoir Chris Ghosn. Qu'est-ce que tu racontes? Est-ce que tu es russe? Est-ce que tu es expert en politique? Est-ce que tu as des sources pour viabiliser ton propos? Ou est-ce que t'es juste un fils de pute bien pensant qui nous partage son avis de trou du cul? Je suis gentil, hein, je te donne une chance. Hein. Fais gaffe à ton prochain message, la modération pourrait s'amuser sur ta gueule. Fais très attention à ton prochain message. Une pensée pour les défunts et aux familles, paix à tous. Oui, tout à fait, effectivement. Ah, déjà, t'as pensé à dire bonsoir au deuxième message, c'est déjà mieux. C'est déjà mieux. Tu te rattrapes vite dans la politesse et c'est toujours bien d'être poli. Mon prénom, c'est avec une majuscule, mais t'as montré de la politesse. C'est déjà bien. Ça prouve que tu t'es lâché dans l'envie de commenter
Puis tu t'es rappelé que tu as été bien élevé, donc tu as montré de la politesse. Ça, c'est très, très bien. Très, très bien. Si tu... Alors, on n'est pas poutiniste ici, hein, je précise. Hein. Oh, je précise. On est français, donc on n'est pas poutiniste. Mais là, on se morfond, là. 850 soldats français qui viennent d'être tués à Odessa. On est en confraternité avec les soldats français, hein, la France, hein, avant tout. Hein. Et on a le droit de pas en pouvoir encaisser cet enculé de Macron, hein, parce que question élections truquées, elles sont bien plus truquées dans notre pays qu'elles ne le sont en Russie. Hein, donc, Lol René, t'es con. T'es con. Ah, tu lui as mis 10 minutes dans les gencives, ah merde. Bon, bah, tu vois, Luc, tu t'étais pris 10 minutes par erreur, mais ça va revenir, t'inquiète pas. Ah, tu parlais de Manu, d'accord. Ah ouais, bah oui, on est d'accord. Ah bah là, Chris Gunn, on est donc tout à fait d'accord. Et je rappelle que je peux expliquer le trucage légal des élections françaises, hein, dans ce pays soi-disant démocratique dans lequel nous vivons pour une partie d'entre nous qui est là, qui étons là, soyez. Qui sommes là, pardon, ce soir dans le chat avec moi. Hein. Parce qu'il y en a certains d'entre vous qui sont en Russie, en Thaïlande, aux États-Unis, en Israël, mais la majorité d'entre vous, ou à Tahiti, la majorité d'entre nous est en France ce soir. Je rappelle que je peux expliquer le trucage légal des élections en France. C'est ça le pire, parce que quand les gens vous disent sur Internet, et vous en avez partout, hein, surtout si vous allez sur des lives de gauchistes, ouais, ça sert à rien de voter, de toute façon c'est truqué. Si tu leur demandes de t'expliquer comment c'est truqué, ils sont foutus de te le dire. Moi, par contre, je peux vous l'expliquer. Et c'est très facile à comprendre. Et c'est légal en plus. Un trucage légal. C'est l'enfer. Quand tu te rends compte de ça, mais t'as envie de tirer des gifles. Un truc de dingue. Ah oui, c'est vrai que tu es gardien pénitentiaire, toi, Bruno. Et pendant ce temps, en France, des travestis intervenants viennent en prison. J'en ai fait le constat aujourd'hui. Oh putain de merde. Des travelots vont en tôle. Est-ce que vous voyez mes messages? Moi, j'ai un message qui me dit qu'un ami me bloque. Ouais, ben c'est ce qu'il m'a dit, Luc. C'est que tu t'étais pris 10 minutes. Donc, le temps que les 10 minutes passent, et tu pourras recommenter. Ça va se lever à un moment. Quand tu as mis ton premier message, si tu te souviens de l'heure à laquelle tu l'as posé, tu sauras que 10 minutes après, tu pourras commenter à nouveau sur YouTube. Il a posé un mea culpa, il est désolé, il a pas fait exprès. Ma pause est finie, je retourne au taillage. Bon live à tous. Ben, bonne journée à toi, Artax, travaille bien. Merci pour les infos du terrain. Hein. Ça a permis d'informer les gens, hein, de mettre de l'info. Bordel, mon cousin me banne. Lol. Lol. Non, non, c'est pas moi qui étais ban, hein, c'est un de mes modos. C'est parce qu'on a cru avec le pseudo satanique que t'avais, mais c'est vrai que j'avais dit que Luc est un biker. J'avais parlé de toi récemment sur le Discord. T'es un motard à l'ancienne. Un vrai biker dans l'expression du terme. Non, mais ça va se lever, Luc, t'inquiète pas, là ça c'est une modération momentanée, ça va se lever, t'inquiète pas. Tu vas pouvoir recommenter. Donc ben, bonne journée Artax et encore toutes nos félicitations, hein, pour être un nouveau papa, hein, depuis un mois maintenant. Toutes nos félicitations, nos ficelles de caleçon, comme disait ma grand-mère, paix à son âme. Ouais, c'est ça, René. Il aime les grosses cylindrées, Luc, effectivement. Ah ben il a un bon cuir. Il est dans un club, hein, de motards, de bikers. Ouais, si tu pouvais remettre ton nom, effectivement, Luc, ça serait bien. Ça doit être sympa d'échanger en Discord. Donc sur Discord, tu veux dire Chris? Ouais, bah le lien est dans la zone de description, sur ma bannière de ma page YouTube, accès gratuit.
Effectivement, sur Discord, on passe de bons moments. C'est un comité restreint, c'est protégé. Les vagues de trolls et tout ça, les raids, tout ça, c'est impossible sur le serveur. On a mis tout ce qu'il fallait pour être tranquille. C'est comme un salon tranquille où on parle sans que tous les abonnés débarquent comme ça, comme chez mamie. Et le modo en chef de Discord, en plus, il est parmi vous, là. C'est le Tahitien. Il est parmi vous. Ah, il peut pas encore te lire, Lucky, il est pour l'instant, il est sur Facebook. Quand il va revenir, à ce moment-là, il pourra lire à nouveau. Ouais, effectivement, voilà, le modo en chef de Discord, il vous prévient. Si vous tentez des raids, c'est vaporisation directe. Déjà, il y a les défenses à l'entrée. Et s'il y en a qui arrivent à passer les mailles. Encore 3 minutes. Ok, ça marche. Bon, dans 3 minutes, tu pourras revenir avec nous sur YouTube. C'est cool. Heureusement qu'il y a Facebook, tu vois, ça permet de pouvoir, en attendant, pouvoir continuer à échanger. C'est cool. Oh, on s'y attend, bien sûr. En plus, comme en ce moment, je suis en train de faire des lives sur TikTok. Il y a beaucoup plus de monde, comme vous voyez là. Je fais un live sur TikTok. Là, vous voyez, on est 60. Je fais un live sur TikTok, on est 400, 500, 600, 700, 1000. Ça monte beaucoup plus vite, quoi. Je fais un live sur YouTube, je le finis, j'ai fait 500, 600 vues. Je finis un live sur TikTok, j'ai fait 5 000, 9 000, 10 000 vues. Vous voyez, c'est la différence, quoi. Sur TikTok, j'ai 17 000 abonnés. Et, sur YouTube, j'en ai 8 000, 5 800, quoi. C'est pas la même chose. « 850 Français tués pendant que des hommes politiques se sucent la teub, c'est ça la vérité à la française élyséenne. » Ouais, c'est assez abject, mon cri, je suis d'accord avec toi. Je suis assez d'accord avec toi. C'est dégueulasse, c'est dégueulasse. Je vous dis, là, moi, je suis vraiment en compassion pour nos compatriotes français qui viennent de passer l'arme à gauche à cause de Macron. Franchement, ça me remet les abeilles. Ça y est, voilà, il peut commenter à nouveau. Non, non, t'es plus puni, c'est bon, on te lit à nouveau, Luc, il n'y a pas de problème. Maintenant, on sait que c'est toi, quoi. Bonne journée à toi, Alex, merci d'être passé. Bon courage pour ta journée de travail et pour les courses que tu vas faire. J'aurais préféré partager de bonnes nouvelles. Alex, hein, tu me dis merci pour le partage. Ouais, j'aurais préféré partager des nouvelles autrement bien plus différentes. Non, non, des pouces bleus, il y en a plus que ça, Alex. Faut relancer la page. Selon le logiciel YouTube qu'on a d'installer sur notre plateforme numérique, faut relancer ou pas. Là, on est à 29 likes là. Pour 61 viewers, ça va, c'est pas trop mal. Ça pourrait être pire. On est lui là 24. Ben moi j'en vois 29 là. Faut relancer sa page. On te sent député, Alix, et non député, je comprends. Ouais, ah oui, je suis député, je vous le dis. Déjà, le coup de la télé de mes filles cramée à cause de la tempête, là. Et les coups de courju, le fait que je commence mon live plus tard, et pour que Artax, c'est très gentiment, hein, nous donne des nouvelles du terrain, parce que lui, il est en Russie. Et nous disent ce qui vient d'arriver à 850 de nos compatriotes, bordel, ça me fait chier. Et moi, je suis pas tiré dessus. Moi, c'est les soldats, ils obéissent aux ordres. Voilà, ils ont 19, 20 ans, 18, 19, 20 ans, et ils s'engagent pour protéger le pays, pour servir le pays. C'est trop la merde. C'est trop la merde, ça me fait trop chier. Tout ça à cause de ce bâtard là, le Mozart de la finance là, cet enculé là, qui brade, détruit la France, vend la France, il a détruit même son peuple puisqu'il envoie des soldats qui font partie du peuple et qui se font buter. Il n'avait pas assez de détruire l'économie, l'industrie, l'énergie, l'agriculture. Non, non, l'armée, il s'est détruit aussi les soldats de l'armée, cet immonde bâtard là. Bonne question, Chris Gone.
Gone, tu es lyonnais? Est-ce que je sais pas un reproche hein, du tout. Hein. J'ai des modérateurs et d'autres abonnés qui sont lyonnais aussi. Pendant ce temps, il fait le Père Noël au Brésil. Je ne pense pas qu'ils en aient déjà parlé aux infos françaises, mais ta question est bonne, Chris Gone, qui nous dit, vous pensez que les larbins médiatiques parleront de ce drame? Comme je le disais tout à l'heure, en temps de guerre, il y a une rétention de l'information. Et je pense que nos médias, ouais, je m'en doutais, Gone, ça voulait bien dire le nez, t'es un supporter de foot, un Gone. Pour l'instant, niet, comme le dit René, voilà. Je pense qu'ils vont faire une rétention de l'information le plus longtemps possible. Et ils vont attendre que ce soit des médias occidentaux autres que la France qui en parle pour se dire on n'a plus le choix, on est obligé d'en parler. Et là, ils se mettront à en parler. Mais il va y avoir le plus longtemps possible une rétention de l'information, voire une manipulation préventive. Ouais, c'est ça, Bruno. Un Gone, c'est un supporter lyonnais, tout à fait, de foot, tout à fait. De l'Olympique lyonnais. La culture de la mort, le président mortifère, ouais, c'est ça, ouais. Ça me met les abeilles d'une force, mais d'une force. Ça me fout franchement les abeilles. Ça me met vraiment les nerfs. L'Olympique casse-couille. Ouais. Bon, il n'est pas trop embêtant avec toi, le réunionnais, ancien lyonnais, René, sur Discord sur ce sujet. Est-ce que les Jeux Olympiques à Paris, ça, je crains que ça se passe mal, et ces Jeux Olympiques. Je pense pas, moi. Je pense que Macron a tendance à vouloir nous faire peur avec ça. C'est pour ça qu'ils ont prévu de déployer le premier régiment de la Légion sur Paris. Salut Mysteria, ça faisait un petit moment, j'espère que tu vas bien, ma belle. Je vous dis, j'ai le nerf, j'ai le nerf, j'ai le nerf. 850 soldats morts comme ça, putain. C'est bon, de bombarder sur Odessa, ça me les met à l'envers dans tous les sens. J'ai la haine là. Chris nous dit 800, 850, pas 800, 850, Chris. 800 familles, ça va être tristement compliqué à dissimuler. Ayant été engagé volontaire, j'ai beaucoup de peine. Secret militaire, ils pourront commencer par ça, en imposant le secret militaire aux familles, mais bon, ça va forcément transparaître. Hein. Donc, je vous dis, ils vont tenter une rétention, mais elle va pas pouvoir durer longtemps. Surtout un carnage pareil, quoi. En un bombardement, hein, puis t'en ont rasé déjà sur 2000, ils en ont rasé 850, ils vont pas pouvoir le cacher non plus, sempiternellement. C'est pour ça que je vous parle pas de cacher, je parle de rétention de l'information. J'ai bien choisi mes mots. C'est une rétention d'information dure le temps qu'elle doit durer ou qu'elle peut durer. Mais ils vont pas pouvoir cacher ça ad vitam aeternam, c'est logique. Putain, j'en veux à Macron, j'en veux à Macron, c'est un truc de malade, quoi. Il y a tous ces bâtards de conseillers, donc il n'y en a pas un qui lui a dit arrête tes conneries maintenant. C'est bien de sucer les Américains, mais il faut te calmer, quoi, maintenant. C'est-à-dire, la France a aucune chance face à Poutine, aucune. Aucune. L'Ukraine a perdu, l'Ukraine a perdu. Maintenant, faut l'accepter, il faut se soumettre, il faut s'écraser, quoi. Ils font vraiment chier, quoi, les Français, là, les politiques français, là. Vraiment, ils font chier. Quand tu penses que tout ce parlement de salopes et tout ce sénat de salopes aussi, là, qui ont validé le projet de Macron avec l'Ukraine, mais putain de traîtres, toutes ces ordures, là. Putain de bande d'enculés de merde. C'est pas le Parlement ou le Sénat qu'il fallait interroger, c'est le peuple français avec qui il fallait faire un référendum sur un sujet pareil, d'envoyer l'armée française en Ukraine. C'était aux Français qu'il fallait demander. Mais là, quelque chose me dit que ça n'aurait pas été le même vote qu'au Sénat et au Parlement. Je sais pas pourquoi. C'est ça, donc complètement asservi à l'OTAN et aux bourriquins, ouais, comme tu dis, quoi.
Bourricot américain, ouais, tout à fait. Ouais. C'est exactement ça. En tout cas, je suis content que parmi vous, il n'y en a pas un qui insulte les soldats. Exactement, voilà, le peuple veut la paix, tout à fait. Tout à fait, tu as complètement raison. Je vais t'envoyer à Ligue dans les jours qui viennent la désinformation que fait croire aux Québécois sur vous, c'est terrible. Ah ben, ça doit pas être mieux, oui, les médias québécois doivent pas être, les Canadiens doivent pas être mieux que les médias français, hein, ça fait partie des deux pays les plus corrompus, de la communauté internationale, hein, la France et le Canada. Ça, c'est indiscutable, hein. Rico, ah ben Rico aussi nous a rejoint sur YouTube. Heureux, Eric, qui nous dit même chose au Québec. Ouais, c'est ça. Ouais, ben c'est ce que disait Luc, Eric. Hein. Vous êtes tous les deux au Québec et donc oui, ben vous êtes au courant que la manipulation se fait aussi chez vous, quoi. C'est ce que je vous disais. Hein, des pays de la communauté internationale, les deux plus corrompus, c'est le Canada et la France, quoi. C'est évident. Les autres ne le sont pas, ne le sont, le sont à moindre niveau, mais le sont aussi, bien sûr, évidemment. Ah ouais, Trudeau, c'est le cousin bâtard de Macron, hein, saloperie, hein, tous ces enculés-là. Sénat, Assemblée, tous les mêmes convictions et beaucoup de profiteurs. Ouais, tout à fait, Chris. Tout à fait, tout à fait. Je dis, moi, ça me donne envie de vomir. Je vous le dis cash, quoi, je suis dégoûté, putain. 850 soldats, putain de merde. Ils comptaient dans votre tête jusqu'à 850. Vous allez voir le temps que ça va vous prendre, quoi. De Français qui viennent de disparaître en un bombardement, quoi, à cause de Macron, quoi. Salut, Thierry du 31. Ça faisait longtemps. J'espère que tu vas bien. J'ai le nerf là, j'ai le nerf, j'ai le nerf, j'ai le nerf là, j'ai le nerf. Et je suis vraiment très content que dans ma communauté, il n'y a pas de débiles mentaux qui crachent sur les soldats, hein, les militaires français. Merci à vous d'être des gens intelligents et des gens humains, quoi. Et des gens confraternels avec ces pauvres soldats qui sur les 2000 que Macron a envoyés, viennent en perdre 850, quoi. Ah bah oui, un missile Kinjal a suffi, hein. Mandy Waro, bonjour à toi. Réunionnaise, même pas Macron veut être plus otanien que les otaniens eux-mêmes qui ne veulent pas intervenir. Écœuré. Ouais, tout à fait, oui. Bonsoir Mandy, bienvenue sur la chaîne. Les soldats eux-mêmes savent ce qu'ils font, un métier sans âme. Quand même, Mom Chris, sois pas si dur. Quand t'as 18, 19, 20 ans, et c'est la majorité des soldats engagés, hein, c'est pas des gens de 30 ou 40 ans qui s'engagent, c'est des jeunes utopistes. Ils sont pas finis, c'est pas encore des jeunes, c'est pas encore des adultes. Un homme ne devient adulte que à partir de 30, 35 ans. Avant, c'est un gamin. Avant, c'est un gamin. Faut pas être trop dur non plus. C'est les cadres. Les gradés, eux, ils savent très bien ce qu'ils font. Mon père était militaire de l'Imystéria. J'ai pas suivi l'actu. Il y a des soldats morts. Oui, on a un abonné qui est passé tout à l'heure, qui vient en Russie, et il nous a dit que la Russie, enfin que les soldats français sont arrivés à Odessa, les 2000 que Macron a envoyés en Roumanie, puis via la Moldavie et qui sont rentrés sur Odessa. Dans une base militaire ukrainienne et que la Russie a bombardé et qu'on vient de perdre 850 soldats français sur les 2000. Ils étaient réunis dans un bâtiment, il y avait plusieurs bâtiments et dans ce bâtiment-là, il y en avait 850 et ils viennent de se faire bombarder et ils sont déclarés morts par les médias russes et ukrainiens, les deux, pas que russes. C'est pas juste une information uniquement russe, mais russe et ukrainienne. Putain de merde. Pardon, excusez-moi, mais j'ai du mal, hein. J'ai du mal. Voilà, bonne réaction, Thierry du 31, paix à leur âme, tout à fait. Paix avec un X, ça aurait été mieux, mais ouais.
Il y a leurs âmes, leur avec un S, âme avec un S, c'était 850, hein, donc c'est pas 2 ou 1 ou 3 ou 4. Oui, 850 soldats, Mysteriat, arrivé après, mais ouais, 850, ouais. C'est ce que nous a dit Artax. Hein. Ah, eux, en tant que propagande de guerre, c'est l'inverse de la propagande de guerre que nous, on va manger sur de la rétention le plus longtemps possible d'informations. Eux, vu que c'est une victoire, ils en parlent tout de suite, ils n'attendent pas en fait. Donc, eux, l'information en Russie et en Ukraine, ils l'ont avant nous. C'est logique. Quand je pense que pour de simples exercices de tir, nous étions rationnés, c'est nul, veulent faire les gros bras contre les Russes, c'est pathétique. Effectivement, Chris, ouais. Oui, quel drame, Mysteria, effectivement. Il n'y a pas de souci, Thierry, il n'y a pas de souci. Je comprenais bien que le fond de ta pensée y était, il n'y a pas de souci. C'est juste que j'ai stipulé que justement, ton envie et ta bienveillance, voulaient représenter la faute de frappe que j'ai corrigée. Évidemment que tu pensais à toutes leurs âmes et que tu pensais à la paix pour eux, bien sûr. Qu'ils reposent en paix, j'avais bien compris, t'inquiète pas. Quelle idée d'aller ennuyer Monsieur Poutine, franchement. Ouais. Surtout quand on a entendu Piotr Tolstoï sur BFM TV, qui a été extrêmement clair en disant on s'en fout de ce que dit Macron, on s'en fout de limite de Macron, et s'il y a un soldat français qui pose le pied sur le sol russe, on le tuera. On le renverra en France avec le drapeau tricolore sur le cercueil. Il a été extrêmement clair et au micro de BFM TV. Franchement, nous dit Mandy, j'adore ta façon de parler, c'est carré. Ouais, effectivement, c'est plutôt mon genre. Je suis un Français à l'ancienne, pas de temps à perdre avec les mièvreries. Je suis pas un complotiste, je suis pas un commentateur de l'actualité qui a un avis sur tout et qui partage son avis de merde, machin. Non, non. Je suis un décrypteur de l'information en général. Mais là, c'est un live avec les chatteurs, donc j'interagis avec vous. On parle d'information du moment, et en l'occurrence, comme j'ai des abonnés partout sur la planète, l'actualité du moment, c'est ce qui se passe en Russie et en Ukraine, et j'ai un abonné qui vit là-bas, donc et qui passe nous voir. Oui, c'est je suis pas le seul à être agacé. Merci Mystaria de montrer que toi aussi, ça te met les nerfs, t'as les abeilles toi aussi. Je suis pas le seul, ouais. Je vous dis, moi aussi, j'ai les nerfs, je suis bien plus qu'agacé, là. Je suis courroucé, là. Je suis même peu énervé, je suis courroucé, je suis en colère, quoi. Là, c'est pas bien ce qu'il a fait, Macron, là. On n'envoie pas des soldats français sur le terrain ukrainien après ce que les Russes ont dit qu'ils allaient faire à nos soldats s'ils venaient sur le terrain. Non, je suis désolé. On fait pas les bonhommes, on n'est que la France, une petite de merde au niveau du monde. Au niveau de puissance militaire, je parle. 300 têtes nucléaires, 5 sous-marins, qu'est-ce qu'on fait les bonhommes? Putain de merde. On a 5 jours de munitions sur un front de 80 km. Pour défendre la France, on n'a pas les moyens d'expatrier tout ça sur le front ukrainien, en plus. Putain, mais c'est des incompétents, nos dirigeants. Et ils nous prennent pour des gamins. Le peuple français est pris pour des gamins d'attardés de 8 ans et demi par ces politiques de merde. Il y a un problème, là. Bah oui, mon Chris, tu vois. Je me disais bien que tu produisais pas de la haine gratuite. C'est pour ça que j'ai rappelé que ces soldats qui sont morts, c'était des jeunes de 18, 19, 20 ans. Des jeunes engagés, volontaires, qui l'ont fait en utopie. C'est des jeunes qui n'ont pas fini d'être formés, qui sont rentrés dans l'armée pour se protéger. Je vous dis, quand moi j'avais leur âge il y a 30 ans, je suis rentré dans l'armée avec le même état d'esprit. Et je me suis retrouvé en Bosnie-Herzégovine, à Biak, à l'époque. Et j'ai compris sur le terrain que, ah ouais, non, c'est pas ce que je croyais, quoi. Ben, eux, là, ils n'auront pas eu le temps de s'apercevoir que c'était pas ce qu'ils croyaient. Dès la première nuit, il y en a 850 qui sont morts. Et je vous garantis que les 1150 qui restent sur les 2000, là, ils sont pas bien, là. Tous, ils sont pas bien, là. Ils pensaient qu'ils allaient faire ce que Macron leur a promis, ce que leurs généraux leur ont promis, qu'ils allaient pouvoir parader, qu'ils allaient dominer. Et non, c'est pas aussi simple que ça. Salut, Canard Service. Ouais, même notre puissance militaire a été délocalisée. Ouais, c'est ça, t'as tout dit, quoi. Bah, cette question, David, c'est bien, il aurait fallu la poser quand Artax était encore là. Là, il est allé travailler.
Donc, faudra attendre le live de demain matin que je ferai demain matin. Pour lui, ça sera le soir et il sera sûrement là. Il commentera et vous pourrez lui poser les questions demain matin. Parce que je fais un live, je fais une matinale demain à 9h, à 9h15. Je l'ai déjà programmé. Vous avez déjà le lien sur votre page d'abonnement si vous êtes abonné à ma chaîne. Mettez-vous, ouvrez-vous la page pour être là. Et si vous êtes là à 9h15 demain matin, heure française. Oui, je sais, j'ai vu ça, la Bosnie-Herzégovine qui va rentrer dans l'UE prochainement. Elle a posé sa candidature et apparemment, elle a été préacceptée, j'ai vu ça. Et donc, à ce moment-là, David, si tu es là, tu pourras lui poser la question. Lui, il vous donnera tous les détails. Je vous dis, les médias russes et les médias ukrainiens, ils en parlent. Et je rappelle que les médias opposés à Zelensky ont été interdits en Ukraine. Donc, c'est les médias pro-Zelensky qui en ont parlé, en fait, de fait. Donc, si c'est les médias pro-Zelensky qui en ont parlé, c'est que c'est vrai. C'est logique. C'est logique. Et Artax, c'est pas son genre de raconter des conneries et de broder. Je vous le dis. C'est pas son genre. D'après toi, ils vont faire quoi avec les Olympiques de Paris question venant du Québec. Ouais, je pense qu'ils vont les mettre en place. Ils ont trop investi dedans. Et ils sont obligés de les mettre en place, ils sont obligés de les faire. Pourquoi? Parce que la France a investi dans la vidéosurveillance et dans la reconnaissance faciale. Et Paris et partout où il y aura les JO, cette surveillance va être mise en place, va être installée, cette reconnaissance numérique va être mise en place. Et c'est un laboratoire à ciel ouvert de ce qui va être après dispatché sur toute la France. Ça, faut vous y préparer. Je vous ai déjà dit, si vous n'avez pas vu French Dystopie de Superflamme, je vous invite à aller regarder. Vous tapez French Dystopie dans votre moteur de recherche, à votre barre de recherche tout en haut, là, au-dessus de l'image, là, de live, là. Vous tapez French Dystopie, Superflamme, Superflamme en un seul mot avec un seul M. Vidéo du 21 mai 2021 et je vous invite à aller la regarder. Vous vous prévoyez une petite heure et les 50 premières minutes de cette petite heure, c'est exemplaire sur ce qui nous attend. Pas vraiment, Luc. Vu le futur qui vous est promis au Québec, c'est pas mieux que la France. Si les Français doivent se barrer quelque part, c'est en Russie orientale. Je vous le dis directement. En Asie, en Indonésie ou en Russie orientale. Régis Le Sommier, oui, le président de la chaîne Omerta, oui, du média Omerta, l'avait dit, avait prévenu, c'est l'enfer là-bas en Ukraine. Ah ben, ceux qui sont allés sur place, eux, ils savent. Et nos médias mainstream, eux, ils sont pas allés sur place. Tous nos politiques va-t-en-guerre à la Glucksmann, ce sac à merde gauchiste, mes deux, là. Eux, c'est des va-t-en-guerre, c'est des agents américains. Mais oui, sur place, c'est l'enfer. Xavier Moreau, hein, sur sa chaîne Stratpol, sur Odyssée, le dit aussi. C'est pas une partie de plaisir là-bas, c'est vraiment la guerre. Et je vous rappelle que Petkov, il l'a dit il y a pas longtemps. Nous, on a fait une opération militaire. Le fait que l'OTAN vienne soutenir l'Ukraine et empêche la Russie de faire ce qu'elle avait à faire a fait passer l'opération militaire à un effet de guerre indubitable et indiscutable. Donc c'est bien la guerre qu'il y a en Ukraine. Et c'est à cause de l'OTAN. Je rappelle que en décembre 2022, via la Turquie, le président turc, la paix devait être signée au moins minimum des pourparlers, etc., la reddition de l'Ukraine. Zelensky était prêt à aller signer, c'est Joe Biden qui a sifflé Boris Johnson en lui donnant l'ordre de foncer en Ukraine et d'interdire à Zelensky de signer la paix. Juste pour rappel. Oui, mon Chris, de fait, hein, on continue à se faire fumer de l'autre côté. Hein. Je vous dis, leur but à nos politiques, c'est de tout détruire. Et que pour eux, en plus,
Le peuple, c'est juste de la viande, quoi. Ils s'en foutent, c'est de la masse, c'est du bétail, quoi, pour eux. Pour eux, nous ne sommes que du bétail. Ils nous méprisent. Les politiques détestent les Français. L'État profond, la haute fonction publique, les hiérarques, tous détestent les Français, détestent la France. Ils ne servent que leurs intérêts particuliers et ils servent les intérêts particuliers étrangers qu'ils servent en trahissant la France, en étant des traîtres actifs. Bonne nuit Kevin, c'est gentil d'être passé nous voir. De toute façon, je voulais pas faire un live trop long et on a déjà passé 1 heure de live. C'est quand même, il est quand même 1 heure, 2 heures moins le quart du matin quand même en France. Je vais tous vous remercier d'avoir été là. Je peux pas remercier les gens qui m'auraient fait un don, il y en a pas eu. Je remercie tous ceux qui ont été là, tous ceux qui ont participé, tous ceux qui ont liké, tous ceux qui ont partagé, tous ceux qui ont commenté. Message du live, grosse fraternité envers nos soldats encore sur place, les pauvres, et paix aux âmes des soldats décédés en Ukraine, à Odessa, à cause de ces ordures macronistes de merde et de cet enculé de Macron. Cet assassin, ce meurtrier, ce psychopathe, ce débile mental, ce fou. Tout simplement. Je vous remercie tous d'avoir été là. Je vous souhaite à tous une bonne nuit. Prenez soin de vous. Et à demain matin pour la matinale à 9h15 pour ceux qui seront là. Dormez bien. C'est du Nutella, c'est bon. C'est bon pour le jus, allez-y. C'est bon pour le jus. Dans ton cul, connard, ferme ta gueule. Moi, tous les matins, je casse le vent, je fais chier les gens, ça me purifie, c'est important.